Okay, we go live now. Count 10 seconds and it's gonna be. We can start. Are you counting the 10 seconds? Okay. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire, qui porte le titre « La Tunisie et les données spatiales européennes, quelles opportunités dans les domaines de l'agriculture et du transport ?» Moi, je m'appelle Andreas Becker, je suis chef d'équipe, team leader de l'action globale de l'Union européenne pour l'espace et je vais modérer ce webinaire aujourd'hui, le webinaire qui se déroule dans le cadre de cette action globale. Avant de commencer le webinaire, je tiens à vous informer que vous pouvez poser vos questions dans la fenêtre de chat et vous pouvez également changer la langue du webinaire vers le français ou vers l'anglais en cliquant sur le globe qui se trouve à gauche en bas de votre écran. Je vous informe également que le webinaire sera enregistré et les présentations seront par la suite disponibles sur le site internet de l'Action globale de l'Union européenne pour l'espace. On va partager également le lien dans le chat. Sans plus attendre, permettez-moi donc de donner la parole tout d'abord à M. Luis Cuervo-Spotorno de la Commission européenne, représentant de la Direction générale DEFI, Industrie de la défense et de l'espace, qui va ouvrir ce webinaire et donner un aperçu du programme spatial de l'Union européenne. Luis, vous avez 15 minutes et je vais également vous demander, si possible, de parler lentement pour permettre à nos interprètes de faire un bon travail de traduction. Merci, Luis. À vous. Merci. Merci beaucoup, Andreas. Vous voyez mon écran, clairement? Oui. Oui, d'accord. Bonjour, mesdames, messieurs. Je vous souhaite la bienvenue au nom de la Direction générale de l'industrie, de la défense et de l'espace à la Commission européenne à Bruxelles. On est en fait les initiateurs de cette action globale pour l'espace et on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Permettez-moi de commencer en commençant pour faire attendez parce que ça bouge pas. C'est vous qui partagez en fait. Oui, je sais. Oui. En fait, pour faire un petit cadrage de pourquoi est-ce qu'on a lancé l'action globale sur l'espace et les cadrages notamment dans les contextes du programme spatial européen. Le programme spatial européen vis-à-vis des autres programmes spatiaux autour du monde se caractérise en fait parce qu'il offre des opportunités d'appui, pas seulement au secteur spatial lui-même, mais aussi aux autres interlocuteurs et acteurs qui sont potentiellement intéressés par, disons, la thématique spatiale. Vous voyez sur l'écran qu'il y a pas mal de ressources qui sont mises à disposition tant des institutions comme des acteurs privés pour faire du sort que tout le monde puisse d'abord avoir connaissance des caractéristiques du programme spatial, mais notamment d'avoir la possibilité de faire une utilisation accrue de ces fonctionnalités qui sont propres au programme spatial européen. Vous voyez que on verra tout de suite que le programme a 5 composantes différentes. L'action globale sur l'espace se penche
notamment sur trois d'entre eux, c'est-à-dire le programme Galileo, le programme EGNOS et le programme Copernicus. Chacun de ces programmes sont tout à fait indépendants. Il s'agit de, disons, de constellations satellitaires tout à fait indépendantes et séparées, qui offrent chacun d'entre eux des fonctionnalités et des services toutes particulières. Ce qui est important, c'est que en très peu de temps, je dirais dans une décennie, l'Union européenne s'est positionnée via son programme spatial comme un vrai facilitateur de la digitalisation. Et c'est pour ça que vous voyez ce que vous allez entendre aujourd'hui comme des possibilités qui vont bien au-delà du domaine spatial, mais qui vont tomber notamment sur le domaine du transport et de l'agriculture. J'avais mentionné tout à l'heure les trois composants principaux du programme, c'est-à-dire Galileo, EGNOS et Copernicus. Les deux premières sont des constellations satellitaires qui vont, Galileo notamment, qui est le GNSS européen, donc, disons en concurrence ou en coopération, si vous voulez bien, avec des autres systèmes globaux di disponibles, notamment le GPS, mais on peut aussi penser dans le système chinois Beidou ou le système russe GLONASS. Le système Galileo, c'est que offre des services de temps, navigation, positionnement et d'aide aux activités d'urgence, emergency, comme on dirait en anglais, aux citoyens, aux institutions et aux entreprises. Par contre, le système EGNOS, il s'agit effectivement d'un système satellitaire tout à fait séparé du système Galileo, disons, tandis que Galileo est mené via une constellation de 12 paires de satellites qui ne sont pas géostationnaires. Par contre, le système EGNOS est géré via une constellation satellitaire qui est elle géostationnaire et qui est basée ou focalisée sur l'Europe, largement entendue, donc pas seulement l'Union européenne, mais toute l'Europe. Et finalement, il couvre aussi une grande partie de l'Afrique. Ce qui est important de ces deux systèmes-là, et notamment du système Galileo, qui est déjà en fonctionnement depuis 2016, c'est que le système lui-même a donné l'opportunité de développer une industrie, un écosystème industriel de services et de produits très, très important. Donc, on voit maintenant que la valeur du marché actuel, elle est dans les alentours des 175 000 millions d'euros, milliards d'euros, et avec des revenus très, très importants aussi. Par contre, Copernicus, c'est un autre système satellitaire qui fonctionne en parallèle avec les deux autres que je viens de mentionner, mais qui est notamment différent à ce que à Galileo et Agnos. Galileo et Agnos, si vous vous souvenez bien, ils nous donnent des signaux PNT, Positioning, Navigation and Timing,
Tandis que le système Copernicus, donc la constellation satellitaire qui gère ou qui est gérée ou qui gère le programme Copernicus, par contre, il s'agit d'une constellation d'une taille plus petite, parce qu'on ne parle pas de 30 satellites, mais de 12 satellites, de 12 paires de satellites. Et en fait, Copernicus nous donne accès, les utilisateurs ont accès à une quantité énorme de données satellitaires. Donc ici, on ne parle pas de PNT, mais on parle des données, carrément des données qui sont fournies par la constellation. Qui sont fournis par la constellation. Vous voyez sur l'écran que le nombre de données, c'est d'une taille très importante, parce qu'on parle de 16 terabytes par jour, même plus que ça. Et effectivement, disons, d'une façon parallèle à ce qui s'est passé dans le domaine de Galileo et Egnos, le système Copernicus a lui donné l'impulsion d'une industrie très puissante, disons, qui est penchée sur la délivrance des produits et des services qui utilisent notamment les images et les données produites par Copernicus. Je viens de mentionner les trois domaines clés qui sont, disons, qui sont touchés par l'action globale sur l'espace. Effectivement, il y a deux autres domaines, disons, qui font partie du programme spatial européen, mais qui sont pas vraiment l'action globale n'est pas vraiment concernée par ces deux parties du programme, mais je vais les mentionner quand même. L'un d'entre eux, c'est le Space Situational Awareness, qui, effectivement, c'est un système qui vise la surveillance et la protection des actifs spatiaux, notamment européens. Ça, c'est très important parce que l'espace devient de plus en plus, voilà, de plus en plus occupé. Il y a un trafic spatial très important. Et le problème maintenant qu'on a, c'est, si vous voulez bien, un double problème, un problème de gestion du trafic. Qui a des répercussions très importantes sur la sécurité des communications et la provision des services satellitaires. L'autre domaine qui n'est pas couvert par l'action globale sur l'espace, c'est le domaine connu comme GovSatCom. GovSatCom, que c'était en anglais, disons, la communication gouvernementale par satellite. En fait, ce que l'Union européenne veut faire dans ces domaines-là, c'est de prévoir aux acteurs, notamment gouvernement, mais aussi des autres acteurs dans le domaine de la sécurité, d'un service satellitaire de communication fiable, sécurisé et rentable. En mettant en commun les capacités des États membres. Donc voilà, il ne s'agit pas vraiment de créer une nouvelle structure qui va gérer les GovSatCom, mais c'est de mieux s'adapter, mieux adapter, pardon, les capacités et les structures existantes afin que, voilà, on puisse avoir une meilleure coordination dans tous les domaines, pas seulement dans les domaines, disons, peut-être tout à fait spatial, mais aussi dans les domaines terrestres, afin que on puisse gagner en efficacité dans ces domaines-là. Je vais terminer avec une petite, bon, petite,
vision d'ensemble sur l'action globale sur l'espace. Vous voyez bien qu'on se retrouve dans un contexte international assez compliqué, en fait, mais notamment, on croit depuis l'Union européenne que les domaines spatiaux, c'est vraiment une thématique dans laquelle on peut, disons, l'Union a des atouts pour améliorer la coopération internationale au sens large. Donc, on ne part pas seulement de faire de la coopération dans les domaines spécifiques satellitaires, mais on vise aussi d'améliorer les relations internationales via, disons, via les atouts qui peuvent offrir les différents composants du programme spatial européen. Ce qui est important, c'est de savoir que ces systèmes-là que je viens de vous mentionner, sont tout à fait disponibles d'ores et déjà dans le monde entier, peut-être sauf la partie EGNOS qui, comme j'avais dit tout à l'heure, il s'agit d'un système qui est fixé sur la zone d'influence européenne et africaine. Mais ce qui est important, c'est que toutes ces technologies peuvent être, je ne vais pas utiliser le mot exporter parce qu'on ne les exporte pas, mais ce que peuvent donner, c'est à une nouvelle coopération dans les domaines scientifiques, technologiques et spatiaux, naturellement, entre les acteurs européens qui ont déjà une expérience assez importante dans les domaines et les acteurs tunisiens intéressés. Et c'est pour ça qu'on a lancé l'action globale sur l'espace. L'action globale, pour terminer, se penche sur trois objectifs principaux. Le premier, c'est naturellement promouvoir le programme spatial dans le monde entier, donc pas seulement en Tunisie ni en Afrique, mais dans tous les 5 continents. Deuxièmement, faciliter l'internationalisation de l'espace, du secteur spatial européen, c'est-à-dire ouvrir de nouvelles opportunités tant au niveau gouvernemental, si vous voulez bien, donc en appui de l'écosystème institutionnel et spatial européen vis-à-vis des acteurs institutionnels des pays tiers, comment dire, mais aussi je reviens sur le troisième point ici, mais aussi en appui notamment du secteur privé européen et des secteurs privés des autres des pays cibles. Donc finalement, comme je crois que Andreas va mentionner à la fin de ce webinaire, l'action globale donne des opportunités bien concrètes tant aux institutions que aux entreprises de la Tunisie qui veulent, disons, entamer une coopération plus étroite avec des acteurs spatiaux européens. Voilà, je veux m'arrêter là en vous remerciant pour votre intérêt, en sachant que naturellement, cet webinaire n'est qu'une partie d'une panoplie assez importante des instruments que l'action globale a amené à bien pour aider notamment des institutions, mais aussi le secteur privé dans ces domaines-là, pour accroître la coopération avec l'Europe dans ces domaines très très pointu et très stratégique
dans nos jours actuels. Merci beaucoup. Back to you, Andreas. Merci beaucoup, Louis, pour cet important aperçu du programme spatial de l'Union européenne, mais également d'avoir esquissé un peu les pistes par lesquelles les acteurs tunisiens peuvent s'engager avec le programme spatial européen. Et comme tu l'as dit, à la fin du webinaire, je donnerai un peu plus de détails, notamment sur les services pour les coopérations avec des entités européennes. Je rappelle à nos chers participants que vous pouvez poser vos questions dans la fonctionnalité chat de ce webinaire. On va avoir une première séance questions-réponses après la présentation suivante, qui sera donnée par Madame Maria Mota Rodrigo de l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial, qui a l'acronyme EUSPA, qui partagera avec nous quelques informations sur l'état actuel d'EGNOS, ainsi qu'un examen détaillé des avancées technologiques d'EGNOS V3, donc la nouvelle version d'EGNOS, et on a perçu aussi des améliorations auxquelles on peut s'attendre. Maria, à vous pour une vingtaine de minutes. Et je rappelle, s'il vous plaît, de parler lentement pour l'interprétation. Merci. Thank you, Andreas. Merci. Good morning to everyone. Bonjour. I'm afraid my French is not that good, so I will present today in English. Thank you, Andreas. Thank you, the Global Action and the European Commission for inviting us to present today in this webinar. Today, we are going to talk about Galileo and EGNOS and the European GNSS programs and the benefits these programs provide. So first of all, next slide, please. On voit, voilà. Just do you want me to share? Do it. Yes, please. Okay. So, first of all, can you see the presentation correctly? Yes. Okay, fine. Thank you. So, as I was saying, we are going to talk about Galileo and EGNOS, but first of all, I wanted to make a brief introduction to the EUSPA. EUSPA is the European Union Agency for the Space Program, formerly known as GSA. And it's a European Union agency responsible for the exploitation and the service and market development of the key space programs displayed in the screen. EUSPA manages Galileo, manages EGNOS, and also Copernicus, as Luis presented at the very beginning, and also the communications program for governmental actors, GovSatcom, and any other initiatives related to space situational awareness. EUSPA is based in Prague, but we have also facilities all over Europe, so you can find us in many, many places. Now let's talk about Galileo, the European GNSS, the European Global Navigation Satellite System. It is global because it provides a global coverage. This means that the user at any place all over the Earth is able to receive the Galileo satellite signal with a GNSS receiver, of course. Navigation, because these signals are used by the receiver to compute the user position, so the user is able to navigate knowing its own position. Satellite, because it is based in satellite constellation. And system, because it is formed by several elements, not only the satellites, that we call the satellite segment, but we also have the user receivers, what we call the user segment, but also it is composed by a ground infrastructure, what we call the ground segment, different ground centers and different ground reference stations. Maria, sorry to interrupt.
I received a request if you could speak a bit further away from the mic. Okay. 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 Sorry, Andreas. Thank you. Thank you. So I was saying the ground infrastructure that completes the system, that the different ground reference stations and ground centers that are necessary to provide the service, the Galileo services. What are the Galileo characteristics that make the Galileo different from other GNSS? Well, Galileo, let's say that it is under civilian control, not under military control. Galileo provides services, all the services provided are free of charge. Galileo transmits in a modern signal in different in several frequencies, as included in the slide, so it is more robust to against multipath effects. Galileo also provides navigation message authentication, which makes it more robust against intentional interferences, what we know as spoofing events. And we will have also a signal authentication service that will not only we will have the navigation message authentication, but the signal authentication that will be encrypted and will increase the robustness provided to the users. Galileo also provides a high accuracy service worldwide, providing high accuracy to all the users. And Galileo also provides a search and rescue services that optimize the search rescue operations of people in distress in maritime or in the aviation domain in different situations. And let's say that Galileo can be used autonomously. It is also interoperable with all the other GNSS. So you can use Galileo satellites in combination with GPS satellites or GLONASS satellites in multi-constellation receivers. Okay. I wanted to highlight in these next two slides the services, the navigation message authentication service and the high accuracy services, which are currently in the testing phase, in the validation phase, and that are going to become operational in the coming year. The open service, the Galileo open service, is already in operation since 2016. And with the Galileo initial services, providing very, very good performance with accuracies, real actual accuracies close to 2 to 3 meters when used standalone. And this navigation message authentication feature is going to increase this Galileo open service performance. It's a feature that will be complementing this open service and that will be providing more robustness than other GNSS against these spoofing attacks, these intentional interference attacks. The Galileo receivers will need only to be upgraded and use public keys, receive it and decode them, and that will be received within the navigation message. Know that the signal is coming from an actual Galileo satellite. Regarding the high accuracy service, let's say that the Galileo system is the first one, is the only one that's going to provide a global high accuracy service free of charge. Any user all over the world is going to be able to receive the Galileo high accuracy corrections and will be able to have a position with accuracy of 20 centimeters in the horizontal plane and 40 centimeters in the vertical plane. This very high accuracy enables a lot of very demanding applications that require this decimeter accuracies. This corrections, let's add that these PPP corrections will be provided through the Galileo signals, Galileo frequency, and will also be provided also in the through internet. Regarding GNSS, we should also be aware that the fact that the satellite signals are affected by several factors, several errors that shall be corrected before getting a more accurate position. This is when the satellite-based augmentation systems come to work. ECMOS. Sorry, Maria, yes. Can't hear very well. If you can try to maybe take off your headphones, maybe the sound might be better for the interpreters. Okay, sorry. It
is better now? Talk a little bit more. Okay. Can you hear me? Yes. Yes, a bit louder, and it's okay. 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 Thank you. Sorry for the technical problems. I'm sorry. I was saying that we have to be aware of these different errors, different factors that affect have an impact in the actual accuracy that can be reached with for example with GPS, with GNSS, and that the satellite-based augmentation systems were designed to solve this situation and provide very accurate positioning for particular applications, for example, in the aviation domain, which is a domain very, very demanding in terms of accuracy and also in integrity for the safety of life of people in the airplanes. ECNOS, which is the European Satellite-Based Augmentation System, provides corrections to mitigate this factor, to mitigate this error. ECNOS provides correction to the satellite ephemeris, error to the satellite clock error, and also provides information about the ionospheric error. And at the receiver level, the SBAS standardized receivers correct the tropospheric delay, and also they smooth the receiver, the multipath, and the receiver noise. So we can reach using ECNOS very, very good a positioning with a accuracy close to 1 meter. How does ECNOS work? We have a set of RIMS stations, which all over Europe and in other locations that get the GPS signals, and they send these signals to a mission control center. This mission control center, based on the signals received from the different stations, reference stations, compute the corrections and the integrity information. These corrections integrity information are sent to the geostationary satellites that forward this information to the users that are getting the GPS signals, and using the ECNOS corrections integrity information are able to compute their position with a very good accuracy. And they also have integrity. What is integrity? Integrity is a measure of the trust that can be placed in the correctness of the information, that is the position that is computed by the ECNOS receiver. This means that you don't only have a very accurate position information, but also that you can trust that position. And if you cannot trust this position, if the receiver detects that the error, positioning error, is going to be higher than a threshold, it's going to send an alarm to the user. This is what we call the ECNOS integrity, that enables many, many applications related to the safety of life of people in regulated segments as aviation or road or maritime domains. As the satellites used by ECNOS are geostationary, the geostationary satellite is a satellite that is seen at the same place from in the space, from a particular place in the Earth. So the ECNOS service area and the ECNOS coverage covers Europe and the north of Africa. But there are different SBAS in the world, and all of them are interoperable. This means that an airplane that is using ECNOS in Europe is able to use WASS in the United States. There are different fora, different working groups of international working groups that work in guaranteeing this interoperability. The different SBAS. You have the different existing SBAS in the screen. And let's say that ECNOS currently augments only GPS, but in the future, ECNOS V3, the next version of the ECNOS system that is currently under development, will augment also Galileo and will also broadcast dual frequency corrections. Now we're going to move on to the applications and the benefits that these GNSS technologies bring to the users across different market segments. I wanted to focus in different market segments. I'm not going to focus in aviation, which we all know that is the one of the first domains that traditionally has been using GNSS to navigate.
But I wanted to highlight or to remark that there are many other market segments that benefit from the use of the added value provided by Galileo and ECNOS. And Galileo and ECNOS enable a lot of applications and new businesses across different market segments as displayed in the screen. And we are very proud to say that we are over 2 billion. We have over 2 billion Galileo users and all over the globe, and we are increasing. I wanted to start with the road and automotive market. There are many, many GNSS services and products consumed by the automotive industry. We have different applications that are based in the vehicle's position, as we can see in the screen. We have fleet management applications, like bike sharing, public transport location, road fleet management. We have different applications that are related to liabilities, insurance telematics, road user charging, smart tachographs. We have other applications related to safety, to the safety of the people that are related to connected and automated cars, driving assistance systems and emergency assistance, and also smart mobility applications. We have many, many applications that rely on the use of GNSS for providing this added value to the users. I'm going to go through some representative examples. For example, for commercial vehicles, we have electronic tolling, electronic toll, and GNSS is one of the selected option for electronic tolling in the majority of Europe. We have GNSS in the 74% of the European toll roads, and we have ECNOS enabled in 94% of the GNSS units shipped for tolling, and Galileo also in the 92% of the GNSS units. It's a very, very, very high values. We are very proud of it. Other application related to commercial vehicles could be smart tachographs. Smart tachograph monitors the driving time of the trucks or the buses or the commercial vehicles. And in this case, the authentication of the navigation metric from Galileo is essential to avoid the spoofing attacks or intentional interferences. And I have to add that the integrity provided by ECNOS, the trust that you can place on the positioning provided by ECNOS, is also another value that can be used in the smart tachograph applications. Over 3 million trucks that rely on GNSS for this application. Regarding other applications, we have an emergency call it's Galileo enabled. We have over 15 million cars already enabled with Galileo in the world for this application. This application, there's a car accident, it automatically calls the emergency center and provides the car GNSS position, which improves the rescue operation. There are many other applications related to traffic congestion that rely on the use of GNSS, drivers paying in relation to the time and distance they drive within a congested area, or other added value services as traffic management in real time, road safety, electronic parking, and so on. Finally, regarding automated and connected cars, let's highlight that there are several brands, up to 6 brands, that have already launched car models using Galileo, up to level 4 of autonomy. I have to say that to reach the higher levels of autonomy in these autonomous cars, we will have to rely in sensor fusion. This is a hybrid solutions that are going to combine GNSS, either Galileo or ECNOS, with other type of technologies and other sensors that could be 5G, inertial navigation systems, map matching, cameras, and so on. This hybrid solutions are going to help us to reach the highest level of autonomy in this future autonomous and connected cars. Maria, a bit less than 2 minutes left. 10 minutes left.
A bit less than 2 minutes. Less than 2 minutes. Okay, let's. In agriculture, which can be seen as a more traditional sector, I will try to speed up a little bit. GNSS technologies and the latest trends are up to date. We're moving from precision agriculture to also hybrid solutions, integrating GNSS with Internet of Things, big data, and other solutions, hybrid solutions. The idea is that the farmer is no longer in the center of the picture, but it's monitoring the farm from remotely using the different technologies, GNSS, drones, earth observation, Copernicus, smart data analysis, artificial integrity algorithms. And the objective we want to acquire using GNSS technologies in this domain is to be able to allow the farmers to use less fuel, to use less water, to cause less emissions, and in order to reach a very efficient management of the fields, to reach a higher sustainability, and to improve the production of the farms, of the fields. In this slide, I will go quickly. We have some ideas of what is going to be the future in the agriculture using GNSS integrated with other technologies. And I wanted to finish explaining a little bit the consumer applications, where I think they're very, very, also very known by all of us. GNSS enabled consumer applications comprise applications that are tailor-made and in order to satisfy different user needs, and that they are supported by different devices, mainly smartphones, but also tablets or wearables or digital cameras and so on. And depending on the need covered by these applications, they can be classified in different categories: health and lifestyle, navigation and tracking, and so on. Let's say that these consumer applications contribute up to the 92% of the global annual GNSS shipments, and that the 90% of the devices used are smartphones, of course. I don't want to go into detail into all the applications. I think these are the most known applications. We all know these GNSS location based games in our smartphones. We have a healthy and fitness applications that monitor the people position, velocity, and time. We have safety and emergency applications in our smartphones and tablets. We could also include within these consumer applications, robotic applications. We have or tourism applications for tourism in order to reach points of interest, and hotel, a restaurant, to take a taxi closer to your position, and so on. And also corporate applications, billing in based in your location, or advertising in your mobile phone based on your location. This is a summary and a little bit of information of the many, many applications enabled by GNSS that could bring a benefit to the users across the globe. Thank you. Thank you very much for your attention. And I think we will have Andreas now a time for questions and answers, and I will try to help you in solving any doubt you may have. Thank you very much. Merci beaucoup Maria pour ces informations importantes sur l'état d'avancement de Galileo et d'EGNOS, et merci d'avoir informé nos participants sur les possibilités qui sont associées. Comme Maria l'a dit, nous avons maintenant quelques minutes pour une séance questions-réponses, et peut-être une première question concernant la prochaine génération d'EGNOS, la version 3. Est-ce qu'il va y avoir des changement en termes d'accès, sachant que les utilisateurs ont besoin de récepteurs compatibles avec EGNOS. Comme j'avais dit, je répète la question en anglais. Will there be any major changes in terms of access to services for the next generation of EGNOS V3, bearing in mind that users need EGNOS-enabled receivers? Yes, to access EGNOS V3 receivers, you will have to acquire an EGNOS V3 enabled receiver. This will rely
on the manufacturers themselves, the point is that the ECNOS B2 services are going to be maintained. So ECNOS B3 receivers are going to also provide ECNOS B2 services, and the ECNOS B3 system is going to still provide the ECNOS B2 services that are provided for now, the open service and the safety of light service and the ETA service. The point is that the ECNOS B3 signal is a different signal, and then the receivers, in order to get this new signal, is going to need to be upgraded or changed. It will depend on the manufacturer itself to if it's going to be a major upgrade or just a software upgrade to be able to reach the B3 advantages. Merci Maria pour ces informations pratiques. Et une autre question, dans le domaine de l'agriculture et du transport, quelle est la valeur ajoutée de EGNNSS comparée à d'autres GNSS? Donc, en anglais, in agriculture and transport, what is the added value of EGNSS compared to other GNSS? Yes, the added value, I have to come back to my first slides regarding the Galileo added value and negative added value. Galileo is going to provide, in particular for the transport domain, which is quite regulated, and the safety of people has to be guaranteed. The navigation message authentication is going to be key. It's going to be key to avoid the spoofing attacks and to provide this robustness to the users. In agriculture, the high accuracy provided by Galileo, of course, is going to be also another value. Is Galileo provides this high accuracy and is not provided by other GNSS. It's provided free of charge. So for particular applications for machinery guidance, for example, that they need a very, very high accuracy, you don't have to rely anymore in other private costly services. You can rely on either on Galileo or in ECNOS. ECNOS provides very good accuracy for farming as well. And then you can improve the production based on this GNSS, European GNSS. Merci beaucoup. Et une autre question, pratiquement parlant, pour nos chers participants en Tunisie qui seraient intéressés par les services EGNSS, comment ils peuvent faire pour commencer à utiliser ces services pour l'agriculture et le transport? So, practically speaking, how can users in Tunisia start using EGNSS services for agriculture and transport? Yes, Galileo is it's global. It's global, so the coverage in Tunisia, users are able to access the Galileo signal right now because Galileo is in operation and the signal is there. They only have to get a receiver able to receive the Galileo and decode the Galileo signal. Regarding ECNOS, the same thing happens. ECNOS service coverage area is also covers also the north of Africa, including Tunisia. And I'm aware that there have been different projects that have validated different procedures and the signal of ECNOS in this area. So they have to get an ECNOS receiver, an ECNOS enabled receiver in the market. There are many manufacturers that already provide different Galileo and ECNOS receivers for different applications. You can for your even in the smartphones, tablets, or particular agriculture receivers or receivers for the transport segment. They are already in the market. We maintain a web page that is called usegalileo.eu. That summarizes or includes an up-to-date list of all the manufacturers and all the models of the devices that are already Galileo enabled, so and classified by market segment. So if you want to acquire a receiver that is Galileo enabled, this web page will provide information and advice to know which receiver to buy. But there are already receivers in the market. Different manufacturers already provide the Galileo receivers and ECNOS receivers. It's only to get the appropriate one for your applications or for your needs. Merci beaucoup. Et nous venons de recevoir une autre question
dans le chat. En ce qui concerne la navigation aérienne par satellite, comment vous estimez l'avancement dans ce domaine pour les pays méditerranéens et quels sont les préalables et les étapes qui restent à faire? Donc, pour satellite-based navigation, how do you assess the progress made in this field for the Mediterranean countries? What are prerequisites and what are next steps that still have to be carried out? I don't know, Andreas, if I understood well the question. What are the can you repeat the question, please? For aviation. Aviation. Making use of satellite technology. What is the state of play for Mediterranean countries? And what are prerequisites and what still needs to be done? I mean, for the aviation domain, the use of Galileo and in particular ECMOS for precision approaches in different airports, I think we have done a very good progress. And in the ECMOS webpage, we have an up-to-date information of the LPV procedures published across Europe, and that are increasing every day. So, and then I think we have made a good progress, and in order to progress even more and to have more LPV procedures published in the Mediterranean countries, I think we have to make more support more the countries on our side to help them to design these LPV procedures based on an ECMOS and Galileo, and help also not only the air navigation service provider of these Mediterranean countries, but also help the different airlines and the different manufacturers to integrate Galileo and ECMOS in their receivers, the receivers that then are integrated into the airplanes to provide these services and to be able to fly these operations with Galileo and ECMOS. From the USPA, we support different initiatives and we have different projects that have this objective in order to increase the adoption of ECMOS and Galileo. The Galileo technologies across Europe and across the globe. I hope I have answered a little bit the question. Merci Maria. Oui, ce sera un autre participant, Sassi Hamami, s'il y a encore des questions là-dessus. Je pense que maintenant on peut clore cette première séance de questions et réponses. Je vais partager dans le chat aussi l'adresse email de l'Action Globale où vous pouvez envoyer vos questions. Merci pour les questions que vous avez déjà posées. On va maintenant passer à la présentation suivante qui sera donnée par Monsieur Andreas Brink, qui est agent principal de projets scientifiques et techniques au Centre commun de recherche de la Commission européenne. Monsieur Brink va explorer plus en détail les opportunités et les synergies qui existent entre les services Copernicus et EGNSS dans des domaines autres que ceux de l'aviation. Donc, question très, très à propos pour maintenant ouvrir un autre champ d'application. Merci, Andreas. Vous aurez 20 minutes et petit rappel, parlez lentement, s'il vous plaît, pour l'interprétation. Merci. All right, thank you. Thank you very much for the introduction and good morning, everyone. It's a pleasure being here and to present you Copernicus. So as the other Andreas introduced already, I'm coming more from the scientific side. I'm from the DG Joint Research Center. Just in a nutshell, in short, JRC is the in-house science service of the European Commission. So we provide independent science for policymaking. So we have heard the term Copernicus already several times this morning, but let's see a bit more in detail what Copernicus really is. So Copernicus is the European Earth Observation and in situ program. So it's really about providing Earth observation data at the global scale for various domains. Copernicus is coordinated and managed by the European Commission, but is then of course implemented in partnership with the European member states, of course with the European Space Agency, ESA,
EUMETSAT for the meteorological part, ESIUM WF for weather forecasting, other EU agencies such as European Environment Agency, Mercato Ocean, and others. It has, of course, a very big budget. Luis introduced this at the beginning. And what is very important, like the whole program, that it's really not a short-term project, but it's a long-term program guaranteed for the next years and decades to come. So when we talk about Copernicus, many of you are probably familiar with the Sentinels, and you connect Copernicus with the Sentinels family, which is, of course, one of the main parts. So there's a whole series of Sentinel satellites, in total six different type of satellites, all with different characteristics. So from, you know, radar satellites for multispectral high resolution, to ocean application, to atmospheric chemistry, and so on. All of them are in orbit. Not all have already two satellites in orbit, but we are getting to it. And of course, also here, there's future evolutions, and you know, this satellite family, let's say, is guaranteed for the next years to come. All this data which are produced by these satellites is accessible, first of all, through the Sentinel Data Science Hub, where you can access, view, and download any type of data. And of course, you know, this is the Copernicus philosophy, open and free to any users. The data is then available also through other platforms or cloud infrastructures, but this is the main access hub. Right, but Copernicus is much more than just the data, the satellite, the Sentinel satellite data. It's about providing a core service in different domains. And here we have in total six operational services, from the land service, the marine, the atmosphere, the emergency service, security, and climate change. Climate change provided, of course, climate indicators and climate indices. Security is more about border surveillance in the European domain. Emergency is about providing maps and data when there are any type of natural disasters or emergency or humanitarian crisis. Atmosphere provides information and data about the atmospheric composition. The marine service is about the physical state of the oceans, and the land service, which is divided into the global and the European land, provides environmental data. I will focus today a little bit on the land service, because we are talking about agriculture today, and also because that's the service I work on, so on the global part. So what's the added value of this core services? First of all, the Sir Copernicus services, they provide long-term and reliable data, products, and services for user applications. Next, and what is really important, is that all this information data that comes from the services is fully validated and quality controlled. So you really know what you get. And then I think also really important is that all the data information and is free and open, so to any user globally, since Copernicus is a public good. So all this information provides then support, of course, to EU policies at European but also at international level, to, you know, global commitments and treaties, to the conventions, and so on. And of course, in all this wide range of applications, which we have seen in the slide before. All this is, of course, thanks to a big partnership, a big European partnership, and building on the European expertise. So there's many industry partners involved, many scientists, experts, university research organizations, which really
bring all this together and make this happen. So let's focus now a little bit on the land service, and in particular on the global land service. So at the GRC, we are responsible and managing the global activities, while on the European side, the European Environment Agency is managing that part. So coming to the global activities, what is Copernicus Global Land offering? It's providing systematic monitoring of biophysical variables. So really on the status and evolution of the land surfaces. It provides land cover, land use, land cover change information at various levels. It provides also dedicated land cover and land cover change hotspot monitoring for specific areas of interest. And it provides a service providing Sentinel-2 satellite image mosaics, and then also GBOF, the ground-based observation for validation. And all this to support the, let's say, the global dimension of the European Green Deal, and in support of the SDGs. Several of the products contribute to, for example, SDG 15, life on land, inland waters, SDG 6.6, zero hunger, and so on. The applications domain, of course, they range from natural resources monitoring, like monitoring, mapping, vegetation, phenology over time, agriculture, main topic of today, so about crop monitoring, yield forecasting, or looking at the biomass conditions on various scales, monitoring also extreme events such as droughts, like we have, for example, in Somalia right now, but also frost conditions or heat waves. Or then also on the hydrological cycle, where we look at water management or inland lake water surface temperature or water quality. Good, and all this thanks to 21 regular products and variables which we are providing at different resolutions, fully validated and documented, as I said before. You know, ranging from vegetation phenology and status, energy such as the surface temperature or surface albedo, the water, as I said, temperature, water body extent over time, and so on. And also here we are moving slowly towards a higher resolution coming from the Sentinel-2. Here's one example, very typical example, the global NDVI, so the vegetation index, which is an indicator of the greening of the biomass. Here we have over 20 years of data, which is really in a day-to-day providing data on the vegetation status. Here we can compare different dates, different years. We can show if in a specific area or country the greenness, the biomass is increasing or decreasing, if there's a potential crisis situation. Another key product is the global land cover map, produced at currently at 100 meter resolution, at an accuracy globally over 80%, with 21 land cover classes. But also we are providing a so-called continuous cover for 10 classes, such as agriculture, such as tree cover, which shows you the cover, let's say, from 0 to 100%. So it really addresses different user communities here. Here's one example, which I cut out for Tunisia, representing here the land cover for the year 2019. We start with our data from 2015, and at a yearly basis, we produce a new map. And the interface allows then on the fly to show some the key statistics to compare different years or different areas. All this is, of course, also downloadable and can be used in your own GIS system. Good, but
when there are some specific requests for specific areas where we need more detail in both spatial resolution, but also in thematic resolution, we have the so-called high resolution hotspot monitoring activity, which provides really detailed land information on specific areas of interest responding to on-demand requests. We have currently a main focus on protected areas and so-called key landscape for conservation. And this is supporting field projects and policies in the EU framework and in the EU development aid framework. What you see here, the map here below, for example, is the area of the Park W in Benin or Pinjari, bordering different countries, Niger, Benin, Burkina, and so on. Also here on the fly, you get very detailed statistics on the land cover, but also on the land cover change. And this is really used for field applications by park managers, by various NGOs and agencies working in the field. The data we use for this type of high accuracy mapping, we mainly get through the service called Sentinel-2 Global Mosaic, or S2GM. This is a service which doesn't provide just single Sentinel-2 images, which you could download from the hub I introduced before, but you can ask for a specific area of interest, which you define in the web tool, which is shown below. And I made a box around Tunisia. You could upload also a shapefile of your area of interest of the country, for example. And for a specific year or for a specific season or month, you can create on the fly image mosaics covering your entire area for the Sentinel-2 data. Right, and this is used then also for other applications. And here we have one. We are coming now in the field of agriculture, the so-called Copernicus for GeoGlam. This activity is supporting the geo activity for agriculture monitoring, and it provides basically two essential agriculture variables at a very high detail and high resolution, and this is the crop type mapping and crop area statistics. And here we integrate already, we had heard before, the importance of bringing together satellite Earth observation data and GPS data. And this is what we are doing here. There are field campaigns collecting data on the locations, on the crop types in different seasons. And by doing this then, by using the Sentinel-2 data, but also sometimes higher resolution data, we create then this crop type mapping for different seasons. So far for three areas in three different countries in Africa, Kenya, Uganda, and Tanzania. And you can see really the detail of this crop type maps providing information on, for example, maize, on tea, on rice, on barley, on any type of crop growing in this area. Good, but for continuing on the agriculture sector and also a little bit beyond Copernicus, but still using the Copernicus data at the JRC, we work very intensely on crop monitoring and forecasting, and this mainly for our internal DG Agriculture, for Eurostat, and of course for the member states then. And we produce and provide on a regular basis so-called JRC Mars bulletins, which are about crop monitoring in Europe since many, many years, but also for surrounding countries, so including Northern Africa. These bulletins are produced at least twice a year or sometimes even more. The content of these bulletins, they give an agrometeorological overview. They show, of course, weather information, season information, areas of concern, frost damage, for example, and really a weather review of the seasons.
They give information about the sowing and the harvesting conditions. Remote sensing data provides information about the arable land, about pasture conditions, and so on. So a lot of detail which is then used for crop forecasting. This same type of approach, which is using not only, of course, remote sensing data, but it's a whole modeling approach, is, as I said, also done over Northern Africa, like we see here. And here, just an extract of the information of the latest information over Tunisia, where we see that on the map on the left, the vegetation index relative anomalies. So in darker green, where the green circle is, we can see areas which behaved normal or slightly above average. So the area is greener in this season from December to March. And further south, where the red circle is an area where we detected less vegetation activity compared to the long-term average. And on the graphs, we can see the relation of the rainfall and on the vegetation index over time, which reflects, of course, this. Good, and since we are talking about Tunisia today, I would like to mention also the active and ongoing activity which we have with a institute based in Tunisia, the OSS, the Sahara and Sahel Observatory. And we collaborate with the OSS in the framework of the GMS in Africa project. I think this is also relevant to mention. GMS in Africa is somehow the Copernicus over Africa. So we use the same approach, the same data over Africa, and GMS in Africa is tailoring this information for African users. And this we do, for example, with OSS and many other African institutions. In this case, the GRC, some of my colleagues, they did some training on cereal yield forecasting using a tool called CST, the crop statistical tool. We supported OSS also in building a system to access Sentinel-2 data for agriculture monitoring, as we use in our ASAP tool, so the so-called anomaly hotspot of agriculture production. This is a global tool, showing this type of anomalies. Sorry, Andreas, 1 minute left. Okay, yes, I'm coming to an end, and I'm glad that my colleague Maria introduced already and showed already the synergies of Copernicus and EGNOS and Galileo to support agriculture. So I don't have to go very much in detail, but it's good to see that this is really happening. Just two examples here. So Copernicus is providing data, for example, on soil moisture, on the health crops, on the famous vegetation index. And Galileo is providing very accurate positioning data for the machinery, the tractors. And this is used, as we have heard before, also for precision farming. Furthermore, what we are doing already is within the famous European CAP, the Common Agriculture Policy, we are using these two technologies together for area-based CAP subsidies in the European Union. So differential GPS data is used to measure partial areas. And then for crop area estimation, GPS is used also for survey segments or points. And the collected ground information is then combined with satellite images, such as the Copernicus Sentinel-2, to improve area estimation accuracy. And, just a last slide for further reading. There's a recent report published by the United Nations Office for Outer Space Affairs, UNOSA, together with our European colleagues, which produced a very interesting report on Copernicus and Galileo for SDG. So if you're interested to know more about this, please
this report is free for download. So thank you very much. If there's any questions, I'm available. Thank you. Merci beaucoup, Andreas, d'avoir montré ces synergies. Et nous avons en effet une question qui est posée en anglais. Did Copernicus provide data on fruit production forecasting, for example, olives, citrus? Et pour ceux qui ont la langue en maintenant sur ce français, je vais traduire. Est-ce que Copernicus fournit des données sur la production de fruits, donc pour anticiper la production, par exemple pour les olives ou les agrumes? Yeah, thank you for the questions. Within Europe, I don't think it's not my specific field. It provides information on a general term, not necessarily for each specific crop type yet. So it shows the evolution of the season, of the temperature, of the weather, of the rainfall. And from this, then we can derive information for the specific crops. But from, for example, the Mars bulletins, we don't get so far in all detail, to my knowledge. Merci Andreas. Et peut-être une autre question pour vous, Andreas, mais aussi Maria. Est-ce qu'on a des statistiques sur l'usage de Copernicus pour l'agriculture et les transports, que ce soit en Europe ou dans d'autres régions? Do we have statistics on current use of Copernicus in agriculture and transport? Maybe I can start. I don't have real figures, but these bulletins, they are used from season to season since many years from our commission services on a really regular basis, and also by Eurostat. So these are definitely the key users, but then within the member countries, these are used as well. So I don't really have numbers, but they are definitely used on a very regular basis. Merci Andreas. Maria? If I may complement the Andreas answer, from our side in IUFPA, we have generated a market report, and it's free. It can be downloaded from the IUFPA website. It includes market figures and market level of usage of GNSS, and also this time it includes also Copernicus market data. So I invite all the attendees to check out this market report with a lot of information, very useful information about the usage of GNSS and Copernicus across Europe, and with very, very up-to-date figures and data. This I will write down perhaps in the chat the link to access through IUSPA website to this market report, which is very, very useful for this information. Merci Maria et Andreas. Une autre question de M. Wessard dans le chat. How do you deal with mixed croppings? To deal with mixed cropping, yeah, that is certainly still a challenge, and that's why I think Earth observation alone is not sufficient here. It's not the only solution, and that's why we have to work together with the field data, with the GPS data, to get accurate information here also from the field, especially the image data coming from Copernicus. Is in this case limited in resolution. Definitely you would need higher resolution data. Merci Andreas. Je rappelle à nos participants, s'il n'y en a pas ou si maintenant vous n'avez pas de questions, vous pouvez toujours les envoyer à l'adresse email qu'on a maintenant mis dans la fonctionnalité chat. Et comme on a accumulé un peu de retard, je propose qu'on passe à notre dernière présentation.
Nous allons entendre maintenant le professeur Kamel Besbes, qui est le directeur général du Centre national de nanotechnologie tunisien et qui est également membre de la Commission nationale de l'espace extra-atmosphérique. Et professeur Kamel Besbes va nous éclairer sur l'utilisation des données GNSS européennes en Tunisie, notamment dans les domaines de notre webinaire, dans l'agriculture et dans le transport. Professeur Besbes, à vous. Est-ce que je partage ma présentation ou vous allez la présenter? Vous pouvez partager. D'accord. Merci. Bon, et si on la voit, si vous pouvez passer en mode présentation. Oui, voilà, très bien. Merci. Donc, bonjour à tous, je vous remercie pour cette opportunité. Je remercie les présentateurs précédents parce qu'ils ont facilité ma présentation en évoquant les différents aspects du GNSS européen, Galileo et EGNOS. Je remercie aussi ceux qui suivent cette conférence ou cet événement. Alors, je vais présenter les aspects GNSS en Tunisie d'un point de vue tunisien. C'est-à-dire, je vais essayer de coller par rapport aux besoins de la Tunisie les différentes applications. Mais avant cela, je vais présenter d'abord. Je ne sais pas, est-ce que ça passe ? Voilà. Donc, je vais introduire d'abord ce qui se fait par rapport au programme Europe-Tunisie pour l'espace. Je vais parler par la suite du déploiement d'EGNOS en Tunisie et quelques applications concernant le transport et la mobilité, quelques applications pour le tourisme et la santé, l'agriculture et le territoire. Et par la suite, je vais présenter quelques applications axées sur la synergie Copernicus et GNSS. Je vais finir par l'appui à l'intégration des programmes européens pour les entreprises, les établissements, ceux qui veulent intégrer ces programmes-là, puisqu'il y a une association entre la Tunisie et l'Europe sur le programme H2020, et bientôt on va signer l'association avec le programme Horizon Europe. Les relations entre l'Europe et la Tunisie, c'est des anciennes relations. On voit bien la proximité de la Tunisie par rapport à l'Europe. Et donc, nous profitons de tout ce qui est couverture spatiale par rapport à l'Europe en Tunisie. Et évidemment, il y a beaucoup de conventions qui ont été signées. On cite par exemple, en 1995, la Tunisie a été le premier pays à signer l'accord d'association et de libre-échange avec l'Union européenne. Et en 2012, la Tunisie a accédé au statut de partenaire avancé avec l'Europe. Et il y a eu le démarrage des négociations de l'ALECA en 2014. En 2016, la Tunisie est associée au projet européen donc de recherche H2020 et probablement le 25 mars, donc on va signer l'association avec le projet de recherche Horizon Europe où l'activité spatiale ou l'intégration donc des projets européens dans le domaine de l'espace nous sont ouverts aussi bien que autres pays associés ou membres de Horizon Europe. Donc, EGNOS en Tunisie, ça a commencé avec le projet Métis, qui un projet qui date de 2006 à 2009. À la fin de ce projet-là, il y a eu l'installation de la station de Djerba en 2009. Je vais aller un peu vite parce qu'apparemment, vous m'avez réduit l'horaire que je dois occuper. Ça a été présenté avant. Le projet EGNOS, c'est une augmentation du projet Galileo. Le point fort d'EGNOS, c'est que nous avons des stations géostationnaires qui couvrent la région Europe et aussi qui couvrent la région Tunisie. Et de ce fait-là, on a d'excellents signaux qui sont robustes, qui sont continus et qui sont d'excellente qualité avec les stations au sol qui permettent de renforcer ces signaux-là. Donc, on voit sur cette carte-là la station de Djerba, l'aéroport de Djerba, qui permet donc de renforcer le signal d'EGNOS en Tunisie. Et on peut avoir d'excellentes précisions à ce niveau-là.
Et donc, je montre sur cette carte-là, par exemple, que la Tunisie est couverte aussi bien que les pays européens avec un pourcentage donc, de availability donc de 99%, ce qui nous permet de faire des applications au niveau de non seulement de l'agriculture, mais des applications de sécurité au niveau du transport également. Alors, la deuxième phase d'EGNOS en Tunisie, c'était la phase du programme Medusa. Après avoir installé justement la station de Verba, ce programme-là a comme vocation d'introduire l'utilisation des services de GNSS dans la région méditerranéenne et dans les différents domaines de transport. Et à la fin de ce programme-là, il y a eu la validation, donc, que je présente ici, de l'atterrissage de l'approche en utilisant EGNOS à l'aéroport de Monastir, donc l'approche des avions à l'atterrissage, et la validation de cette approche-là est équivalente à celle de l'approche à travers l'ILS, ce qui permet d'améliorer donc la sécurité dans les transports aériens et d'accéder à cet atterrissage-là ou au décollage, même lorsque la température, enfin, la météo apporte des difficultés à cela. Donc, on peut utiliser cette approche-là pour avoir aussi le meilleur destination, la meilleure voie pour arriver à destination. Donc, on ne m'a pas demandé de présenter l'application d'EGNOS pour l'aviation. Donc, je vais parler juste du transport et d'agriculture. Alors, les services EGNOS, il y a essentiellement trois. Donc, il y a le Open Service qui est assez précis, qui est ouvert à tout le monde. Et puis, il y a le Safety of Life, donc, qui est utilisé pour l'aviation, mais qui peut être aussi utilisé pour d'autres applications comme le secours lors des accidents. Et puis, il y a l'EGNOS Data Access Service, qui est un service beaucoup plus donc, sophistiqué, qui est beaucoup plus précis et qui nécessite des équipements et des connexions supplémentaires. Alors, pour l'Open Service, il améliore donc les performances de GNSS, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc, il améliore la précision du positionnement, permet d'atténuer les sources d'erreurs et en évitant justement les sources de distorsion du signal. Le deuxième service, donc Safety of Life, donc il est opérationnel depuis 2011, mais il est essentiellement destiné vers l'aviation civile. Donc, il permet donc de fournir des signaux conformes aux normes et pratiques recommandées par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Et donc, ça permet de faire des approches lors des vols qui sont pilotés par ce service-là. Comme je l'ai dit, pour le Data Access Service EDAS, donc, là, on a besoin non seulement d'EGNOS, de la constellation d'EGNOS, mais également d'autres sources sur place pour améliorer la précision du signal. Alors, pour toute information, vous pouvez télécharger sur votre smartphone l'application d'EGNOS qui va vous donner donc plus d'informations sur la qualité du signal et les applications possibles, ou bien vous pouvez aller aussi sur le site web qui vous permet d'avoir ceci comme information. Alors, je vais aller directement maintenant vers les applications potentielles en Tunisie. Alors, comme tout pays actuellement, on est soucieux donc des objectifs de développement durable et donc l'espace permet de résoudre ou d'apporter des solutions aussi importantes pour conserver donc la biosphère pour des applications sociétales ou bien économiques. On parle aujourd'hui de transition digitale et donc de smart economy, d'industrie 4.0, de smart cities, etc. Et donc là, ça introduit les applications spatiales. Donc la Tunisie, le monde change et la Tunisie change également. Et donc, on a la volonté d'intégrer ces outils-là, d'innover dans diverses applications et de les disséminer. La transformation digitale de l'économie est très souhaitée, elle est prioritaire. Évidemment, donc, dans ce cas-là, les applications spatiales ou les outils de l'espace vont devenir donc, des moteurs de développement de cette digitalisation. Monsieur Besbeth,
Excusez-moi, juste pour vous dire que vous avez le temps prévu, hein. Vous ne devez pas trop accélérer, vous pouvez utiliser le temps qu'on a prévu. D'accord, ok. C'est pour ça que j'ai accéléré. D'accord. Donc, l'économie tunisienne, elle est basée sur, évidemment, les produits de l'agriculture et de la pêche, les mines, le tourisme et l'industrie manufacturière. Donc, les outils de l'espace vont permettre de digitaliser le domaine du transport et de l'agriculture qui sont le nerf de cette économie-là. Ça va permettre une meilleure gouvernance et transparence des ressources et de leur exploitation. Et ça va permettre aussi l'optimisation énergétique et environnementale qui sont donc touchées ou qui peuvent être utilisées par ces objectifs économiques. Alors, je vais commencer par le transport et la mobilité. Alors, évidemment, EGNOS va permettre d'intervenir dans divers domaines. Ça a été cité tout à l'heure, par exemple, dans la tarification pour l'usage des autoroutes, dans le suivi, la traçabilité du transport de marchandises dangereuses, ou bien aussi la marchandise tout court, hein, parce que c'est la Tunisie représente donc un tissu industriel assez important qui soutient l'industrie européenne, par exemple dans le domaine automobile, dans le domaine de l'électronique, dans le domaine du textile, et donc les fournisseurs et donc les clients souhaitent bien avoir leurs produits à temps et de manière sécurisée. Donc la conception de nouvelles générations de tachygraphes va permettre de surveiller le temps de conduite des transporteurs. Le suivi des flottes d'une manière générale, donc taxis, véhicules professionnels ou particuliers, la localisation précise des véhicules impliqués dans des collisions, donc il y a l'initiative européenne eCall qui permet d'aller directement vers le secours, et ceci va permettre de meilleures précisions de positionnement. L'EGNOS est disponible gratuitement. Donc, il permet de la surveillance du trafic routier, il soutient les opérateurs de péage, réduit la congestion et la pollution, contribue à la sécurité du conducteur et permet aussi d'être appliqué pour, par exemple, respecter la limitation de vitesse dans les autoroutes ou dans les voies où la limitation est très importante. Ça permet aussi de coordonner entre les différents modes de transport, qu'ils soient bus, métro, train ou taxi. Donc, on peut imaginer des applications qui permettent de coordonner et de lier ces divers modes de transport et simplifier la vie pour les usagers. De même, donc, la coordination des divers modes de transport de marchandises entre les marchandises qui arrivent au port et les transporteurs routiers ou bien par avion ou par train. Donc, on peut imaginer beaucoup d'applications à ce niveau-là pour que les clients et les fournisseurs puissent suivre leurs produits et puissent avoir optimisé le temps de transfert de leurs marchandises. Au niveau du train, donc EGNOS pour le rail, aussi, c'est des applications fort importantes permettant de déterminer l'emplacement des trains, d'éviter les accidents, par exemple. Ça permet aussi de surveiller le transport de marchandises. En Tunisie, nous avons le phosphate qui arrive du sud vers des usines de transformation donc par train, et ça permet donc de contrôler le bon acheminement de cette marchandise-là, de mieux déployer la signalisation ferroviaire. On peut aussi donc développer des applications liées au croisement et à la sécurité, des services d'information des voyageurs beaucoup plus précis et une économie d'investissement lors de la modernisation de l'exploitation, puisqu'on peut utiliser ces outils-là à la place des systèmes qui vont être mis au sol pour contrôler le passage des trains. Donc, la transition vers un système européen de contrôle des trains qui s'appelle ETCS, qui est basé sur le GNSS, qui peut être aussi utilisé par la Tunisie ou bien par le Transmaghrébin, qui est un projet de train entre la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Dans le domaine maritime,
On peut aussi imaginer beaucoup d'applications comme la navigation, donc les manœuvres et opérations portuaires, la gestion du trafic, la sécurité pour le contrôle de l'immigration ou bien la prévention des fraudes et des trafics, la recherche et le sauvetage en mer, ou bien aussi pour les loisirs et d'autres applications. Donc, IGNOS permet de, dans ce cas-là, la navigation plus précise, fiable et plus sûre, la localisation donc plus précise des alertes pour la phase finale de sauvetage, ou la précision accrue des systèmes de surveillance du trafic maritime et d'information, sachant que la Tunisie se trouve donc dans une position géographique très importante, puisque ça permet, c'est en phase du passage de Gibraltar vers donc, le canal de Suez, et cette activité-là, elle est très importante. Il y a des zones de sécurité et d'intervention, donc l'État doit assurer certaines actions comme la sécurité maritime, la lutte contre la pollution maritime, l'opération de recherche et de sauvetage dans cette zone-là, la lutte contre le trafic illicite, le contrôle du plateau continental ou contrôle de la zone de pêche réservée. Et il y a plusieurs donc, départements qui sont concernés par ces activités-là, comme le ministère de la Défense, de l'Intérieur, des Finances, de l'Agriculture, du Transport ou de l'Environnement. Donc, de même, il y a parfois des dépassements des zones de pêche réservées, que ce soit pour les bateaux tunisiens ou bien pour les bateaux étrangers. Et on peut utiliser donc les outils EGNOS pour faire des frontières virtuelles. Et comme ça, on peut mieux guider les pêcheurs dans leurs activités et éviter les incendies, les incidents entre les différents pays lorsque ces bateaux-là sont saisis, puisqu'ils sont dans des zones qui ne sont pas autorisées. En Tunisie, nous avons un certain nombre de ports. Donc, il y a 8 ports commerciaux, mais en totalité, il y a 57 ports entre ports de plaisance et de pêche. Et donc, l'approche vers ces ports-là peut être améliorée à travers les outils d'EGNOS. Alors, aussi, je voudrais parler ou citer tout simplement la stratégie africaine dans le domaine maritime avec un objectif important vers 2050 qui doit intégrer les outils de l'espace. Et là aussi, on peut très bien contribuer à ces objectifs-là. En Tunisie, nous avons l'Agence de protection et d'aménagement du littoral, l'APAL, qui a la mission de contrôler donc, toute la côte et l'aménagement et donc tout ce qui est utilisation de cette côte-là. C'est une côte qui a une longueur de 2290 km en totalité entre le littoral et puis la partie qui contourne les îles et les îlots, les archipels et les ports. Donc c'est une vaste comment dire, surface à contrôler, et l'utilisation de l'espace ici est importante. Autre chose, au niveau de l'aquaculture, l'aquaculture en Tunisie représente 16% de la production aquatique tunisienne, et il est important de suivre certaines réglementations, comme par exemple le changement des cages lorsque l'eau devienne un peu donc trop utilisés ou lors des périodes de haute température. Et aussi, ça permet à ceux qui ont ces cages-là de bien suivre la position donc, de leur cage, et donc ça permet de sécuriser leurs activités économiques. Il y a un programme qui s'appelle SwitchMed, c'est un programme pour l'économie bleue qui prévoit de déployer avec la Tunisie des applications smart, éco-innovantes pour l'aquaculture. Et ça peut être une bonne occasion de faire ces applications-là. Alors, pour les applications mobiles et services, LBS, donc, qui permettent d'utiliser donc, des applications portables, donc sur tes téléphones portables, smartphones, qui donc, offrent aujourd'hui la possibilité des applications pour la navigation, le suivi personnel, les appels d'urgence, le jeu, la publicité, les loisirs, la famille, les communautés. Il y a près de 3 milliards d'applications, et l'accès à ce service-là, il est gratuit et il peut être utilisé. Titre d'exemple, en Tunisie, on peut l'utiliser pour le tourisme et les loisirs afin d'offrir la sécurité dans la pratique des loisirs et sa promotion.
On cite par exemple les randonnées. Nous avons une excellente activité en Tunisie du tourisme écologique avec divers sites de randonnées, etc. Donc, on peut faire la promotion sur des applications donc, destinées à promouvoir ces régions-là et de promouvoir donc, la bonne conduite de ces loisirs-là. Autre chose, la Tunisie aussi organise divers rallyes dans le désert. Et donc, pour la sécurité des opérateurs, la sécurité des utilisateurs, il est important d'utiliser des applications et de faciliter donc, l'accès à ces pistes-là et de les sécuriser. De même, on a vu lors de la pandémie l'utilisation de diverses applications pour le suivi de la population pour éviter donc, la contamination et mettre en quarantaine certaines personnes qui sont contaminées et les contrôler à travers ces applications-là, ou bien pour maximiser la distanciation sociale, ou bien pour faire des diverses analyses et statistiques. De même, on peut avoir des applications pour le suivi des personnes atteintes, donc des personnes vulnérables, atteintes d'Alzheimer ou d'autisme, et ainsi rassurer les parents leurs enfants, ou bien rassurer les gens qui sont donc soucieux de la position de ces personnes-là qui sont atteintes d'Alzheimer. En agriculture et territoire, j'ai mis territoire parce qu'il y a beaucoup d'applications, non seulement agricoles, mais ce qui concerne le positionnement géographique EGNOS. Donc, ça permet de passer d'une agriculture ordinaire à une agriculture de précision. Alors aujourd'hui, les besoins de l'agriculture sont très importants puisqu'on observe dans le monde que la population augmente, que les surfaces sont de plus en plus réduites, qu'on a un changement climatique, que l'urbanisation implique la réduction de la main-d'œuvre agricole, que l'énergie devient de moins en moins disponible avec des coûts assez importants, que le modèle de consommation change et donc aussi que pratiquement tous les acteurs sont connectés à l'échelle mondiale. Et donc l'agriculture de précision et l'agriculture numérique deviennent donc ici indispensables pour répondre à ces besoins. On peut citer par exemple le GNSS dans l'agriculture, ça permet le guidage des drones, le guidage des engins pour la pulvérisation, récolte et traitement, le positionnement individuel et suivi supervisé du bétail, la clôture virtuelle, la mesure sur le terrain, la cartographie des limites de champs, le placement des réseaux IoT et contrôle à distance. Avec l'arrivée de la 5G dans l'agriculture numérique, on peut aussi citer l'agriculture verticale et la culture intégrée comme besoin d'application. Donc, l'EGNOS va permettre d'améliorer la précision d'intervention sur les passerelles, éliminer l'application excessive d'engrais et d'herbicides donc pour une agriculture biologique, contrôler et optimiser le rendement des cultures, optimiser les heures de travail indépendamment de la lumière du jour, réduire la fatigue et gagner du temps pour les agriculteurs, prolonger la durée de vie des équipements en optimisant leur utilisation. Et donc, vous voyez que c'est assez important pour ce domaine-là. Pour la cartographie, l'Office de topographie du cadastre national travaille beaucoup sur la numérisation du réseau, donc de son réseau. Et donc, il a installé un réseau géodésique sur les territoires nationaux avec 23 stations GPS permanentes. Et là, il y a possible, donc 85 des surfaces immatriculables sont couvertes. Et donc, l'apport de l'espace par rapport à ça est important. Et ça permet donc, si pour ce qui reste à faire, on peut utiliser donc, les outils EGNOS pour améliorer et réduire le coût de ce déploiement. Voilà, donc EGNOS peut être une solution rentable pour le secteur de la cartographie et de l'arpentage, qui permet d'offrir une précision au niveau inférieur au mètre avec un investissement minimal. Certaines applications des systèmes d'information géographique n'ont pas besoin de plus de précision et beaucoup d'appareils donc aujourd'hui de cartographie sont compatibles avec EGNOS. Donc, Synergie GNSS et Copernicus, donc ça a été cité auparavant, donc les applications de Copernicus, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a
six types de satellites Copernicus, celles qui utilisent le radar, l'optique, l'altimétrie, et qui permet de contrôler la pollution avec des satellites au niveau basse altitude ou bien en géo, donc géostationnaire. Et ça permet donc d'avoir une panoplie d'images qui permettent de faire beaucoup d'études sur le domaine agricole, ou en plus de la position. Et par exemple, je vais citer ici les applications possibles qui sont dans le domaine de l'agriculture, la cartographie, les villes intelligentes, le transport routier, navigation maritime, la gestion des urgences et l'application donc utilitaire, et en particulier pour l'agriculture, la gestion de l'environnement, l'application à taux variable, je vais l'expliquer tout de suite, la surveillance des récoltes, la surveillance de la biomasse, l'échantillonnage du sol, la gestion du risque et tout ce qui est aussi relatif à l'assurance. Pour la variable rate application, ça veut dire que ça fait référence à l'application d'un produit de sorte que le taux d'application est basé sur l'emplacement précis ou les qualités de la zone concernée. D'autres applications, c'est d'aide aux agriculteurs, donc l'observation de la terre utilisée peu pour le contrôle avec la télédétection et la constellation Sentinelle fournit les images des données. En plus donc des positionnements EGNOS, ça permet d'être utilisé à des fins de système d'identification et de contrôler et vérifier les demandes d'aide des agriculteurs. La surveillance des sols, donc on peut surveiller l'humidité et l'échantillonnage. Et là aussi, on peut contrôler donc l'irrigation, on peut contrôler les fraudes aussi dans l'utilisation des réseaux d'arrosage, parce qu'en Tunisie, on a une réglementation aujourd'hui qui observe donc le problème de changement climatique, qui essaye de rationaliser l'utilisation des réseaux d'arrosage. Donc avec des images de satellites, on peut savoir quelle est la zone quelles sont les zones qui sont irriguées et essayer d'améliorer le partage de ces ressources qui deviennent de plus en plus rares. Voici quelques images dans la gestion des zones humides au Grand Tunis, par exemple obtenues donc de Copernicus. Et on voit sur les deux images à droite l'image donc pendant l'hiver où le lac qui est au niveau de l'Ariana qui devient sec pendant l'été, et donc ça permet aux opérateurs de travailler sur ces aspects-là. Il y a aussi les effets des changements climatiques. Ici, c'est une photo de la plaine delta de la rivière Mejrada en Tunisie, et donc ça prouve l'élévation continue du niveau de la mer, particulièrement sur les côtes arides de l'Afrique du Nord. Là, c'est une autre photo de l'effet du feu de forêt qu'on a vécu donc en 2017, mais l'année dernière également, avec la possibilité de détection, comme la photo qui est en bas ici, de voir les effets de feu de forêt et d'intervenir ou bien de mettre en place des plans d'intervention pour reboiser ou bien pour protéger les différentes régions des feux de forêt. Alors, actuellement, il y a quelques projets en cours, comme le projet Transieri, qui permet qui a comme objectif de suivre la chaîne de production laitière. On peut rajouter donc là des applications dans le domaine des positionnements par satellite pour améliorer donc la récolte ou du lait lorsque chez l'agriculteur, ou bien pour suivre aussi le bétail. Un autre projet qui est actuellement en cours, c'est tout ce qui est contrôle de la qualité de l'eau par système de satellite, ou bien un troisième projet en cours qui est une start-up qui est en train d'être montée, qui s'appelle Cold Days et qui est dédiée aux communes pour contrôler l'octroi des permis de bâtir et la gestion de leur patrimoine. Alors, comme soutien aux entreprises, institutions et universités tunisiennes. Il vous reste deux minutes. Il vous reste deux minutes. Non, je vais finir. Ça y est, presque fini. Donc, il y a évidemment, comme ça a été cité précédemment, il y a l'initiative de la Communauté européenne pour la promotion des opportunités d'application spatiale. Il est possible de contacter Global Action on Space pour avoir plus d'informations sur l'utilisation des outils EGNOS et Copernicus. Mais également, il y a en Tunisie l'unité de gestion par objectif des projets européens au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui s'appelle Tunisie Horizon Europe. Et donc, l'objectif, c'est justement d'aider les entreprises tunisiennes ou les institutions tunisiennes
à trouver des partenaires européens et à proposer des applications ensemble, donc des systèmes du projet européen, mais en particulier donc tout ce qui est outils de l'espace, et avoir un financement là-dessus. De même, on a mis en place en Tunisie un réseau national thématique sur l'espace pour faciliter donc le réseautage entre les opérateurs et accéder à des nouveaux programmes de financement, donc qui s'appelle SAMET Tunisia, donc Space Alliance for Emerging Applications. Dans ce cadre-là, donc dans le cadre de l'association avec le programme européen Horizon 2020, nous avons organisé en Tunisie 12 Info Days et nous avons participé à un certain nombre de 6 ou 7 donc réunions au niveau du réseau Cosmos, donc des Info Days qui se font en Europe pour justement développer le réseau international des partenaires européens dans le domaine de l'espace. Donc également la Tunisie a participé à 3 fois donc au programme de comité programme sur l'espace dans le cadre du projet H2020. Voilà, je vous remercie, je reste à votre écoute pour toute question. Merci beaucoup professeur Besbes d'avoir donné à notre public un aperçu de la façon dont Galileo et GNOS sont actuellement utilisés en Tunisie et comment les acteurs tunisiens pourraient continuer à en bénéficier à l'avenir. Nous passons maintenant à notre dernière séance questions-réponses et on vous invite à nouveau à poser vos questions dans le chat ici sur Webex. Peut-être pour commencer, une question un peu en deux parties, principalement je dirais pour professeur Besbes. Selon votre expérience, à votre avis, quel est le défi ou quels sont les défis les plus importants auxquels la Tunisie peut répondre grâce à EGNOS et Copernicus? Et deuxième partie de la question, qu'est-ce qui manque encore dans EGNOS ou Copernicus pour que la Tunisie puisse mieux répondre à ces défis ou à d'autres défis? Bon, déjà, bon, quelles sont les applications majeures? J'en ai déjà parlé, mais il y a plein d'autres applications qu'on peut imaginer. Maintenant, qu'est-ce qui manque? C'est vraiment de travailler sur des projets prototypes et montrer que on peut réussir en utilisant ces projets-là et faire l'exemple pour que ça se partage d'une manière importante. Par exemple, on peut financer ou proposer un projet donc Europe-Tunisie dans divers domaines, dans le domaine du tourisme par exemple, ou bien dans un des domaines de l'agriculture, comme ça a été tout à l'heure cité pour contrôler la récolte d'agrumes par exemple, au suivi de et puis montrer que c'est une réussite et ainsi inciter d'autres applications et multiplier les réussites d'utilisation des outils de l'espace. Donc c'est une question à mon avis de volonté, de réseautage et de comment dire d'engagement. Merci professeur Besbes. Une autre question que nous avons dans le chat, quel est le taux d'utilisation pratique d'EGNOS accès en agriculture en Tunisie? Vous avez des... Je ne peux pas répondre à cette question parce que l'usage de EGNOS ou GPS ou Galileo, c'est un usage open, donc ouvert. Et donc, on n'est pas enregistré pour un utilisateur que tout le monde peut utiliser. Au fait, on peut développer facilement donc, des applications. Il suffit de rajouter des modules sur notre, par exemple, des cartes Arduino. On peut rajouter des modules de réception. Je voudrais simplifier un peu le process. Hein. Donc, on peut utiliser des modules qui sont compatibles pour la réception EGNOS et développer des applications donc de positionnement, donc par exemple pour les tracteurs, etc. Je crois qu'on a eu un projet une fois, on a déposé un projet sur l'agriculture de précision et probablement il va y avoir un autre projet soumis très, très bientôt, justement pour la conduite des engins d'agriculteurs avec un contrôle de positionnement EGNOS. Très bien, merci. Et je vois qu'il y a une autre question de Sassi Amami. En ce qui concerne la navigation aérienne, c'est la question d'avant.
Une autre question, en plus de la navigation aérienne, quelle est la stratégie pour faire profiter les secteurs du transport routier, ferroviaire et maritime des avantages de ECNOS et GNSS? Bon, celui qui a posé la question, c'est une personnalité très connue en Tunisie. Il était secrétaire général du ministère du Transport. Et justement, c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté de ses compétences dans ce domaine-là. Et évidemment, donc, il s'agit d'une volonté d'utiliser les outils de l'espace pour permettre donc, plein d'applications. Donc, on pourra en parler, je crois, en privé par la suite. Mais M. Sessi est un personnage, aujourd'hui, c'est un expert très connu sur le plan international. Merci, professeur Besbes. Sur cette dernière question, est-ce que les autres intervenants veulent apporter une réponse également? Je crois que ce n'est pas le cas. À nouveau, on vous encourage à poser vos questions ici dans le chat. Et je vois qu'il y a un petit problème avec mon écran. Je vois qu'il se passe quelque chose dans le chat, mais la fenêtre est bloquée. Ah, oui, j'avais vu. Ah non, pardon. C'est pas. Oui, on propose qu'il y ait des financements pour les projets en Tunisie. Ce qui, en fait, m'amène à mes quelques remarques que j'allais apporter encore sur l'action globale de l'Union européenne et comment vous, en tant qu'acteur en Tunisie, pouvez en bénéficier. Malheureusement, on ne propose pas de financement direct gratuit. Mais on propose une série de services gratuitement donc, dont vous pouvez bénéficier. Donc, vous avez parlé également, monsieur le professeur Besbes, sur votre dernière diapo. Effectivement, sur le site de l'Action Globale, vous allez trouver la section Business Coaching. J'ai également collé le lien dans le chat. Le business coaching vise à mettre en relation des entités tunisiennes avec des entités basées dans l'Union européenne, des entités qui, au sens large, font appel à des technologies qui se basent sur le programme spatial européen. Mais il ne faut pas absolument que ce soit des entreprises très, très pointues dans ce domaine. La procédure pour ça, c'est qu'on a, pour la durée de notre action globale, qui va aller jusqu'en mai 2024, on a un appel à candidature permanent. Vous avez tous les détails sur notre site. Les critères pour pouvoir participer sont assez simples. Il faut être une personne morale donc en Tunisie et, comme j'avais dit, faire usage au sens large des technologies qui se basent sur le programme spatial européen. Et par la suite, vous pouvez introduire votre candidature. On va vous demander quelques questions sur vos activités, sur vos chiffres. Et ça s'applique tant aux entités privées, donc entreprises, qu'entités publiques, donc centres de recherche, universités, etc. Et par la suite, on va vous mettre en relation avec des entités de l'Union européenne, des entreprises, pour former un partenariat commercial. Donc, on va voir de très près le produit que vous proposez ou que vous envisagez de proposer et quel serait un partenaire complémentaire pour vous. Et sur cette base-là, on vous donne un coaching vraiment individualisé qui peut porter tant sur des questions techniques, tant sur des questions commerciales, juridiques ou même interculturelles si besoin il y a. Donc, je vous encourage à consulter notre site, à consulter aussi la foire aux questions assez détaillée qui se trouve sur le sujet du business coaching et évidemment de poser votre candidature ou bien de nous contacter par email également s'il vous reste des questions qui ne se trouvent pas dans la foire aux questions. Oui, en plus, permettez-moi de rajouter que le ministère de l'Enseignement supérieur en Tunisie, pour ceux qui veulent proposer des projets européens, peut apporter sa contribution, donc aussi
en aidant la rédaction du projet, en faisant le coaching dans la partie rédaction. Et ainsi, on peut réussir la soumission. Au contraire, en Tunisie, on est très ouvert à cette coopération et on l'encourage. Nous avons un programme qui s'appelle Emory, qui permet de coacher ceux qui vont soumettre des projets. Donc, il ne faut pas avoir peur, justement, et il faut se lancer. Absolument, je peux souscrire à ça. Il faut se lancer. Vous n'avez rien à perdre en présentant votre candidature pour notre business coaching. Vous avez tout à gagner. Comme je vois qu'on n'a pas d'autres questions, ça nous amène donc à la fin de notre webinaire où nous avons vu aujourd'hui un peu en détail, d'abord avec Louis, le programme spatial de l'Union européenne qui comporte différentes composantes. Plus en détail, on a vu Galileo EGNOS Copernicus et notamment les synergies potentielles entre Copernicus et UGNSS. Et dans ce cadre-là, l'action globale, comme j'avais dit, promeut le programme spatial au niveau mondial, donc y compris en Tunisie, en approfondissant les coopérations tant au niveau politique comme dans le domaine des affaires, comme je viens de donner l'exemple de nos services business coaching. Concernant EGNSS, on a vu de près quatre applications différentes, donc le service ouvert multifréquence, le service ouvert Galileo d'authentification de messages de navigation, le service Galileo de haute précision, ainsi que le service Galileo pour authentifier des signaux. EGNOS, quant à lui, ajoute précision et intégrité au signal en Europe et Afrique du Nord, ce qui est essentiel pour les applications de sécurité de la vie dans différents secteurs, des transports aériens, routiers et maritimes. Si nous n'avons pas d'autres questions, je vois que ce n'est pas le cas. Je vous remercie donc profondément pour votre présence aujourd'hui et vos questions, votre intérêt. Et nous restons ouverts à recevoir vos questions par email. Et je vous invite aussi à consulter régulièrement notre site web et également de souscrire. Vous trouvez sur notre site web les petites icônes des médias sociaux, de souscrire à Twitter, LinkedIn, Facebook, pour toujours vous tenir au courant de ce que nous proposons et ce que nous allons aussi proposer d'ici mi-2024, donc des activités pour la Tunisie, d'autres webinaires et bien sûr les services de business coaching. Merci beaucoup à tous les participants et à tous les intervenants. Merci de vos contributions. Au revoir et bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye.